C'était le plus célèbre clown russe que nous connaissions chez nous aussi en France. Et il s'appelait... Popov. Pardon, Popov. 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 Bonne réponse de Gérard Jugnot. Popov. Voyez, Caroline. Bah, j'aurais préféré aller voir Popol en attendant. Bravo. Oui, parce que moi, il est, non, pas, alors, après, il est pas décédé, le mien. Hein. Mais le sien aussi, il a un nez rouge. Hein. Voyez, monsieur Fabrice, oui. Comment vous voulez qu'on soit élégant avec une dame comme ça, oui, qui dit ah, je vais aller voir Popol, Popov. Comprenez, il faut tout pardonner aux femmes. D'accord. Sur tout ce genre de choses, parce que finalement, un, ça nous fait rire. Deux, ça nous excite. Trois, ça nous rappelle des souvenirs. Je me souviens. Vous seriez je prêt à dresser le chapiteau avec Caroline Diamant, alors. Ah, mais avec plaisir, on y va ou quoi? Ouais. Et il y aurait notari en plus. C'est vrai que vous avez un petit côté clown quand même, monsieur Plaza. C'est ma journée, moi, aujourd'hui. Hein. Oui. C'est... Mais, alors, non, mais c'est vrai, vous êtes rigolo. Alors, on m'a dit que j'étais un con, un faux pédé. Je pouvais bientôt me présenter parce que j'étais incompétent, mais c'est ma journée. On est juste en train de lire ta page Wikipédia. Oui, mais on a dit incompétent en un seul mot. Ah, il vous plaît Plaza alors, Caroline? Non, mais il est charmant. Ah oui, ah oui, ah oui. Il a beaucoup de charme. C'est marrant comme le pognon ça attire quand même. Ça peut être mon intelligence, écoute. Oh bah non, honnêtement, j'en ai côtoyé des beaucoup plus riches. Ah oui. Mais ils étaient vilains. Ah eh oui. Bah oui. Oh, à partir d'un certain niveau d'argent, tout le monde est beau. Ça, c'est vrai. Bon. Mais c'est vrai, il est très mal habillé comme les vrais riches. Ouf. Comme les nouveaux. Non, mais j'ai bien fait de venir, moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a des fringues de parvenus. Mais ils sont cons, ils sont jeunes. C'est pas sa faute, hein, il travaille à M6, c'est Cordula qui l'habille. Dis pas Plaza, il y a 15 Z. Ah, c'est vrai d'ailleurs qu'il y a 15 Z dans votre Plaza. Oui. Comme l'hôtel d'ailleurs. C'est papa. On lui a coupé un truc. C'est papa. C'est vrai, moi je mettais toujours 2 Z à Plaza, ah, et oui, il n'y, oui, en, oui, a qu'un. Non, c'est pas comme pizza, ça paraissait évident. C'est votre vrai nom, Plaza? Oui, c'est mon vrai nom. C'est, ah, mon, oui, vrai nom. Pourquoi il y a encore un truc que je vais prendre dans la gueule? Non, mais dis-moi, non, mais je, non, suis prêt. En fait, je suis venu pour ça, quoi. On trouve juste que ça sonne moins bien. Donc, je suis mal habillé maintenant. Ça aurait été mieux avec 2 Z, oui. Voilà. Plaza. Mais c'est italien? Non, c'est espagnol. Ah, ah, vous êtes espagnol, oui, d'origine? Oui, 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 oui. Stefano. Bah, vous n'avez pas vu les poils? Non, ça, c'est les Portugais. Hein. Stefano Plaza, alors. Esteban Plaza. Esteban. 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 C'est la question que se pose justement Caroline Diamant. Esteban Plaza. Pas tous les soirs. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Gérard? Je suis consterné. Bah, moi aussi, Gérard, je suis consterné. Non, pas nous. Hein. Pas nous. Il faut assumer. Bien, hein. Bah oui. Si, non, on vient, on assume. C'est sur la part de François-Olivier Gisberg. Non. Bah, ouais, si, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi, c'est Plaza. Ancien, c'est Plaza qui arrête pas de sortir des trucs dégueulasses. Non. Avec Diamant. Mais non, il est habillé. Oh oui. France. Et là, on rit, on rit. Pour un ancien nazi, je trouve vraiment. Ah oui. Et surtout de la part d'un ancien collabo. Qu'est-ce qu'elle faisait, sa famille? Qu'est-ce qu'elle faisait, sa famille, dans les années 40 à Gino? Moi, j'aimerais bien creuser, j'aimerais bien qu'on sache. Hein. On a le droit de savoir. Vendait de la viande. Il y a une ambiance ici. C'est délétère. C'est vrai que votre papa était charcutier ou boucher, c'est ça? À mon grand-père. À votre grand-père. Ah oui, oui, oui. Et il a fait faillite après la guerre, donc ça veut dire qu'il n'a pas fait de marché noir. Ou pas très bien.